voir une tirelire animale. Bonjour. Mais moi, une tirelire à pièces. Une tirelire, c'est fait par les pièces. Marceau ? Marceau ? Marceau, retourne à toi. Ça sert à tirer pour lire. Ça. Tu dis bonjour ? C'est pas mignon. Tu dis bonjour ? Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous partons à l'école sous une semi-pluie, alors que j'allais faire un brushing. Vas-y, montre-moi. Retour en formation aujourd'hui et ce midi, je vais chercher l'armoire d'Anaïs. Oh non. Enfin oh non. Bah si, en fait, le monsieur m'a appelé hier, il me dit bah vous deviez passer le 26 septembre. Je dis bah ouais, bah je fais ce que je peux. Hein. L'armoire, elle rentre pas dans ma voiture, donc j'essaie de m'organiser pour trouver. Il me dit comment ça, vous avez quoi comme voiture? Alors j'ai expliqué que j'avais un Zafira. Marceau, fais attention. Viens par ici. Que tu fais peur aux voitures. Et attends, j'ai expliqué que j'avais un Zafira en fait, donc cette place, un monospace classique. Il m'a dit mais si, ça rentre dedans. Donc en gros, ça fait deux semaines que j'attends pour aller te chercher, alors que techniquement ça ferait rentrer dans ma voiture. Donc il m'a dit écoutez, venez demain, on voit, si jamais ça rentre pas, on vous le garde jusqu'à mercredi, que vous puissiez revenir avec, puisque du coup j'avais demandé à ma copine Perrine pour qu'on y aille mercredi. Et donc forcément, si ça rentre pas, j'y retournerai mercredi avec Perrine, mais pour l'instant c'est censé rentrer dans ma voiture. Donc ce midi, comme je sors de formation à 11h30, j'aurai le temps de passer la chercher directement chez Confo. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est école. Bon, je vous reprends. Il est 19h20. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vlogué, à vrai dire. Cet après-midi... Hey, ramasse ça, donc, s'il te plaît. Cet après-midi, en fin de matinée, je suis allée chercher l'armoire d'Anaïs. Enfin, donc effectivement, elle rentrait dans la voiture. C'était un peu dur, mais elle rentrait. Et en fait, bénédiction, quand je suis allée au magasin, j'ai croisé en fait un couple d'amis de l'église. Et au final, quand je suis allée chercher mon armoire, enfin j'expliquais que j'étais venue chercher une armoire et en fait, mes amis de l'église me disent « Mais t'es sûre que tu vas pouvoir le mettre dans ta voiture et pour le porter, comment tu vas faire si t'es toute seule et tout ?» Alors j'avais dit « Bah, j'attendrai Anaïs, puis on le fera à deux. » Et en fait, au final, ils m'ont suivi pour pouvoir m'aider. Donc ils m'ont suivi déjà jusqu'au dépôt où je devais aller chercher l'armoire. Et du coup, là, il me dit « Non, non, mais on va t'accompagner jusqu'à chez toi et comme ça, je vais t'aider à porter ton armoire et à la monter. » Et en fait, je me dis heureusement qu'il est venu parce qu'en fait, avec Anaïs, on aurait été incapable de la porter toutes les deux. Déjà, moi, j'ai galéré. Alors, j'imagine même pas Anaïs porter ce que Maurice a porté, en fait. Donc, vraiment, je suis très contente de les avoir croisés et je les remercie beaucoup parce que je les ai remerciés hein, de toute façon. Parce que c'était vraiment gentil de leur part de m'avoir suivi jusqu'à chez moi, en sachant que eux ils habitent sur Cholet et qu'on était sur Cholet, donc ils ont vraiment fait un détour par ici pour venir m'aider et c'est vraiment super gentil de leur part. Donc là l'armoire elle est dans la chambre d'Anaïs, on n'a plus qu'à la monter. Et puis en fait hier j'ai pas vlogué. Du coup aujourd'hui je vous ai mis en ligne la vidéo de mon premier accouchement. Puisque, en fait, hier, nous avons accueilli des nouveaux habitants. Alors, si j'arrive à les filmer... Laisse sortir ta sœur. Voilà. Ah non, c'est ton frère, plutôt. Voilà, les deux petits minouches. Donc en fait, ce sont un frère et une sœur. Donc nous, on a pris la femelle, moi, enfin les enfants et moi. Et Anaïs a pris le mâle. Donc ce qui veut dire que le jour où Anaïs partira, elle emmènera son chat. Et pour l'instant, en fait, on garde les deux ensemble. Ils sont très contents, ils jouent tous les deux. Honnêtement, ça se passe super bien. Ils sont mignons comme tout. Bon, ils pleurent un petit peu, c'est normal parce qu'ils cherchent un petit peu leur marque, mais ils s'amusent d'un rien, ils sont, enfin franchement, ils sont trop mignons. Ils sont pas encore très très câlins, mais en tout cas, ils sont adorables. Bon, je vous reprends, il est 22h05. Alors en fait, Anaïs a voulu qu'on monte son armoire. Donc on a commencé à la monter, mais c'est un boulot de titan.
Il y en a pour je sais pas combien de temps, donc on a commencé, mais là il est 22h et là il faudrait planter des clous en fait, puisqu'on a installé le fin. Enfin, c'était le moment d'installer le fin. Donc il aurait fallu planter des clous pour le fixer, etc. Donc on se dit, on fera ça demain, parce que on a quand même la voisine qui dort de l'autre côté du mur, il est 22h, c'est moyen. Donc demain après-midi, Anaïs ne travaille pas et moi je serai là aussi, donc on va faire ça demain après-midi. Et quand on aura fini, elle va me faire les ongles. Anaïs s'est acheté un kit de pose d'ongles en gel et elle se le fait sur elle, elle le fait super bien. Et du coup, elle va me le faire sur moi demain après-midi. Donc elle va me faire des pose ongles rouges ou nude. Je sais pas encore, j'ai envie de faire nude aussi moi en fait, mais... Elle a acheté du rouge exprès pour moi parce que j'adore les ongles rouges. Donc à voir, je sais pas. Après, moi, je fais pas des ongles très longs parce que j'aime pas ça. Mais puis, enfin, demain, de toute façon, oui, je les aurai pas pour demain matin. Ce que j'allais dire, demain matin, c'est atelier informatique. Et avec les ongles longs, c'est pas toujours évident. Donc voilà, bon, bah sur ce, demain, c'est reformation. Et c'est exceptionnellement, normalement, j'ai pas formation le mercredi, mais demain... J'ai formation puisque jeudi, je suis en journée complète en fait chez les pompiers pour passer, je sais pas si on dit passer, mais pour valider ce qu'ils appellent le PSC1. C'est un diplôme de premier secours, là, je sais plus trop à quoi correspond le sigle PSC1, mais en tout cas, voilà, c'est un diplôme de premier secours et un brevet de premier secours, je sais pas trop. Et du coup, on va passer ça donc jeudi. Moi, je trouve pas ça utile parce que c'est valable que 2 ans et on va pas s'amuser à le repasser tous les 2 ans. Moi, je l'ai déjà passé dans le cadre de mon agrément d'assistante maternelle, mais voilà, il a été valable que 2 ans. Donc, il est plus valable depuis 2017. Voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, du coup, là, j'ai l'opportunité de le repasser. Donc, je le repasse, mais j'avoue que au départ, je voulais pas trop le faire. Après coup, je me suis dit, oh, ne serait-ce que pour mes enfants, ça peut être bien quand même de me remémorer tous ces gestes utiles. Voilà. Et donc, du coup, vendredi, je serai de nouveau en matinée. Donc, j'ai prévu de voir ma copine Emeline vendredi. Du coup, je vais essayer, je pense, samedi, de faire l'échange de frigo, puisque du coup, Emeline a vu avec son conjoint et donc... ils sont d'accord pour donner à Eric, enfin en fait en gros ils vont me le donner à moi, elle m'échange contre mon grand frigo abîmé que j'ai dans ma cuisine, elle m'échange un frigo congélateur qui est abîmé aussi, mais que du coup Eric est d'accord pour récupérer et pour me rendre le grand frigo, et enfin le frigo normal mais le grand congèle qu'il avait récupéré quand on s'était séparés. Donc on va essayer, si c'est possible, de faire ça ce week-end. Moi, j'aimerais beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir réaménager ma cuisine aussi correctement. Enfin, en tout cas, comme j'aimerais qu'elle soit. Et Anaïs me disait, en même temps que tes meubles, tu veux pas commander un lave-vaisselle? Et c'est vrai que je me dis, comme je paye en 4 fois, faut que je regarde ce que ça représente comme budget. Mais c'est vrai que comme je paye en 4 fois, peut-être que ça peut rentrer dans un budget correct. Voilà, donc... je vais voir ça, mais je pense que ça devrait le faire d'après le prévisionnel que j'ai établi là il y a quelques jours. Normalement, ça devrait être bon. Et donc, on récupérerait un lave-vaisselle et ça, ce serait pas du luxe parce que franchement, la vaisselle à la main, c'est compliqué. Donc, faut que je regarde ça un peu plus posément dans les jours à venir, peut-être même la semaine prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles pour mon stage chez Synergy. Qui est censé être la semaine prochaine. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais clôturer puisque j'ai encore pas mal de choses à faire. Je vais vous faire des gros bisous, vous souhaiter une bonne journée et vous dire à demain pour un nouveau vlog.